Ça va, Sorette? Où est Phyllis? Elle est repartie. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tout seul dans le noir? Oh, rien. Je repensais à moi quand j'étais plus jeune. Quand j'avais encore peur du noir. Tu plaisantes. Tu t'es complètement terrorisé. Surtout après avoir fait un cauchemar. C'est vrai, j'en faisais plein, Stacia. Papa te faisait faire le tour de la maison. Il allumait toutes les lumières pour que tu puisses regarder sous mon lit, sous le tien, dans la salle de bain, le placard. Uniquement pour te prouver qu'il n'y avait pas de monstre. Le pire, c'est que ça fonctionnait. J'ai grandi convaincu que les monstres n'existaient pas. Jusqu'à ce que je connaisse Gloria. Oh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de rentrer à la maison, de ne pas l'entendre crier bonjour, qu'il ne vienne pas nous serrer fort dans ses bras pour nous faire un gros bisou. Oui. Cette époque-là est révolue pour nous. Il va se passer beaucoup de temps avant qu'il revienne à la maison. Il me manque tellement. Oui, je sais. Je sais, Ashley. Il m'a laissé quelque chose pour nous. Quoi? Il nous a écrit une lettre? Tu l'as lue? Elle nous est adressée à tous les deux, alors je préférais t'attendre pour l'ouvrir. On va voir ce qu'il nous a écrit. Dis-moi que c'est pas vrai.